Je ne mens jamais. Je suis responsable de milliers de morts. J'ai fait planer plus de clients que les trois plus grandes sociétés pharmaceutiques réunies. J'ai arraché des enfants à leurs parents, des femmes à leurs maris. J'ai décimé des générations entières. Mais mentir, ça jamais. Le reste n'est qu'une insulte envers l'humanité. Le mensonge est une insulte envers soi-même. Je suis le chef de la Santa Blanca, une organisation que vous appelez cartel. J'ai fait un rêve. Gérer où pourrions cultiver la coca et produire notre propre cocaïne. Où nous pourrions diriger nos affaires, sans la police, le gouvernement, ni l'armée sur le dos, sans les Yankees. Dans mon rêve, une voix de femme me disait... Sway, Miro, toi à la tête d'un pays entier. Comme Moïse, j'ai mené mon peuple à la terre promise. La Bolivie. Ici, nous nous sommes payés les champs de coca. Et le reste, nous l'avons pris. Nous avons soudoyé la police, l'armée, les juges, les politiques. Nous étions à deux doigts de devenir le gouvernement. À deux doigts d'accomplir mon rêve. De créer un narco-État. La nation de la Santa Blanca. La semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. Deux marines ont été blessées. Deux jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des STUP, et mon ami. Sandoval a passé, avait passé ces six dernières années à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agent spécial Sandoval, est l'organisation de narcotrafic appelée Cartel de la Santa Blanca. Les simples trafiquants d'hier sont devenus des narco-terroristes. À la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain. D'où la création d'une unité spéciale, l'Unidad, grossière. Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes sont des espèces en voie de disparition. Le gouvernement bolivien a implosé. Parce qu'il n'avait pas le choix, le président a passé un marché avec la Santa Blanca. Arrêtez de nous tuer et on ferme les yeux. Depuis, la Santa Blanca a fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les États-Unis et le Canada. Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca pour de bon, c'est de la démanteler totalement, morceau par morceau. Le cartel se divise en quatre filières. Production, trafic, sécurité et influence. Tout en haut, il y a El Refe de Refes, le big boss des big boss, El Sueño.
cet agent qui est mort. Vous étiez proche ? C'était un ami à moi. Toutes mes condoléances. Je sais que c'est les risques du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. Ouais, ça c'est clair. Ça doit faire longtemps que t'es là. Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire depuis à peu près 5 ans. C'est un peu galère, mais je peux aller où je veux, sans trop me faire emmerder. Au moins, on te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment ? Je suis venu en business class de Manaus. Eh, celui-là, c'est tout ce qui compte, non ? J'ai fait du stop depuis Barranco, au Pérou. Et toi, Holt ? Je suis monté dans un bus à Jujuy, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazón. Personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu pues la gueule. J'ai entendu parler de vous quatre. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors du coup d'État. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou, je connais pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Ouais, bah va dire ça à mon fils. Là, peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. C'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle ? À toi de me le dire, Karen Bowman, la travailleuse humanitaire. Et je parie que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à El Sueño. C'est une sorte de pseudo-mystique, du genre qu'on aurait mieux fait d'interner. Il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Si son kiff, c'est ni la chatte ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les stupes et l'interarme. Votre officier de liaison. Bienvenue dans l'opération Kingslayer. Le briefing a parlé d'un contingent d'autochtones. Ouais, les Qatari 26. C'est un groupe de rebelles qui s'oppose à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. On va voir leur chef, Pac Qatari, une fois au sol. Les Boliviens portent pas les Yankees dans leur cœur, mais cette fois, j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Mais lui, tournez pas le dos, je m'y risquerai pas. Quatre soldats. C'est ça l'aide dont vous me parliez, dont Sandoval parlait. Un seul Yankee meurt, et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman ? Voici Pac Qatari. Chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru ? Tu l'as trouvé ? Amaru est l'un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ses idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance, organisée contre la Santa Blanca et la corruption, n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est ? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de l'ISA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chasse. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention à ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions.
L'heure de mériter votre solde. Allez, au boulot. J'avoue, ça me défrise un peu de collaborer avec Pak Katari et ses rebelles. Leur idéologie, c'est le genre à finir en bain de sang à tous les coups. T'en penses quoi de cette OP, nomade ? Franchement, tout ça, c'est qu'une vengeance. Faut qu'on boucle cette histoire vite et bien avant de se retrouver le cul. Coincé entre les magouilles politiques et les balles du cartel. Premier objectif, retrouver le lieutenant de la Santa Blanca pour remonter jusqu'à Amaro. Je vote pour. Prêt ? Feu à volonté. Dessus. Feu. J'exécute. Je déploie le drone. Reçu, je me mets en position. Je suis en position de tir. J'en vois un autre. Ennemi numéro 3. La cible ne doit rien voir venir. Fixez vos silencieux. Repérez le lieutenant du cartel. C'est lui qui sait où se trouve Amaro. Thank you.
me mets en position. Quand tu veux, chef. De ce côté. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un à récupérer ces marchandises. L'ennemi est actif dans ce secteur. Cible. Je suis en position de tir. Espabile, Endraza. Recule, tu vas te faire griller. Et un de moins. Ok, on peut respirer. Je vois un narco du cartel, dans le Mirador. Reçu, je me mets en position. Quand tu veux, chef. Ok, ça va, on est tranquille. Passe, bis. Hey, Calmos, pas la peine de le buter. Está bien, me rindo. Está bien, ganaron. Ya está. Ya está. Les traigo las armas. Está bien, me rindo. Bien, ganaron. Ya está.
Bien sûr, mobile. Un sicario avec un pistolet mitrailleur, près de la caisse de matos. Passe, vite! Reviens, tu vas te faire voir. Je tire! Ça a chié de tous les côtés. Passe, 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 bise! Gare! Pinche cabron! Ok, du con. Tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde. Comprenez? Faut te calmer, putain! Qu'est-ce que tu veux? Amaru, je le trouve où? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. Non, il y a problème. Il est à Tolo Farm. Vas-y! Tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi. Faut pas traîner. Amaru est pas tout jeune. Il tiendra pas longtemps sous la torture. Eh merde. Si ça se trouve, ça fait déjà un bout de temps qu'ils l'ont crevé. On n'en sait rien. Amaru, c'est pas n'importe qui chez les rebelles. Le cartel va vouloir le garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait. Je veux pas tenter le diable. Il y a beaucoup trop en jeu. On y va. Allez, on décolle. Le cartel va pas attendre bien gentiment qu'on aille sauver Amaru. Allez, en route. Attachez vos ceintures. Avancez sans moi. Thank you.
Putain, c'était un civil, merde! On a de la compagnie, tenez-vous prêts. Je vois un sicario. Je les vois nulle part. Devant la grange. Le drone a décollé. J'ai repéré un autre ennemi. Jamais 203. Reçu, je me mets en position. Je suis en position de tir. Là, cible numéro 5. On arrive à Atolio Farm. Rappelez-vous, la plupart de ces sicarios sont des anciens de l'armée. Identifiez vos cibles. Si Amarus prend une balle, l'opération Kingslayer tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. C'est parti. Des sicarios sur zone. La grange, à l'intérieur.
avec l'ennemi. Je l'ai fumé. Je crois qu'on les a bien fait flipper. Sicarios qui déboule. Ils vont droit sur nous. On fait quoi, chef? Vous êtes Amaru? Ou plutôt ce qu'il en reste. Venez, on va vous sortir de là. Cible, près de la remise. C'était juste. Et merde, coéquipier à terre. Contact, à côté de la remise. C'est bon, on est tranquille. Une seconde, il y a une caisse d'armement. Ramène chez vos amis. Alors, Pat Katari a passé un marché avec Los Malditos Gringos. Quel petit con. Voyez ça avec lui, seigneur.
assez. J'ai eu droit à l'hospitalité du cartel. Ces Aoukas, ces démons qui m'ont interrogé. Disons que le recoulement suffisait à me faire vomir. Mais leur méthode n'était pas... Comment dire ? Il s'appelait Yuri Hippolyto ? Oui, Yuri Hippolyto. C'est ces enfoirés qui ont torturé Ricky Sandoval sous les yeux de Soigno. Cela, je les veux. Tout ce qu'on a vu, c'est des sicarios en sauvant Amao. Mais je n'ai pas vu Yuri Hippolyto depuis au moins 3 jours, peut-être 4. Je sais pas ce qu'il prépare. Il faut qu'on se rencarde. On fouillera chaque village, chaque camp jusqu'à trouver une piste. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Fouillez la province, piratez leur système, interrogez les lieutenants ennemis, parlez aux civils. Faites ce qu'il faut. On a le dossier de Bowman sur Yuri Hippolyto en cours de transfert. C'est le dossier sur la Yuri et Hippolyto. Ils font partie intégrante de la filière sécurité du cartel. Pensez à consulter le briefing de Bowman sur leur hiérarchie. Le responsable de la sécurité, c'est El Moro. Le Mur. Garde du corps personnel et ami d'enfance d'El Sueño. Le petit frère d'El Moro, c'est La Plaga. Une belle ordure. Très actif sur les réseaux sociaux. C'est le sicario en chef du cartel. On est parti. Si on veut Sueño, il va falloir remonter progressivement jusqu'à lui, en commençant par Yuri Hippolyto. On récupère les intels. On localise les cibles, on les élimine. Il y avait 4 personnes présentes la nuit où l'agent des stupes Ricky Sandoval a été assassiné. El Sueño, chef du cartel de la Santa Blanca, Ricky, et les 2 autres, c'était La Yuri et Hippolyto. Yuri et Hippolyto se sont rencontrés dans un dispensaire miteux de Chiapas. Lui était interne dans ce bout de paradis, et elle était infirmière. Ça a été le coup de foudre. Dès le premier regard, ils étaient inséparables. L'amour avec un grand A. Un jour, un butchon nommé La Plaga est arrivé aux urgences, criblé de balles. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais Yuri et Hippolyto ont réussi à le sauver. La Plaga, reconnaissant, les a inondés de cadeaux, des invitations aux soirées les plus sélectes et même une bagnole. De fil en aiguille, il a fait de Yuri et Hippolyto le corps médical principal de la Santa Blanca. Aimable euphémisme, bien sûr. Car Yuri et Hippolyto connaissent l'anatomie humaine. Ils savent jusqu'où le corps humain peut souffrir avant de claquer. Ils savent comment vous garder vivant et pleinement conscient pendant qu'ils vous charcutent. Et surtout, ils savent mieux que personne comment charcuter. Ils opèrent dans la province d'Itaqua. Quand la Santa Blanca capture quelqu'un qui refuse de parler, la Yuri et Hippolyto le font parler. Ils brisent les jambes. Comme je l'ai dit, il y avait 4 personnes présentes la nuit où Ricky Sandoval a été assassiné. Sueño, Ricky, Yuri et Hippolyto. Ils ont gardé Ricky en vie, pendant que Sueño le torturait. Non-stop, pendant 47 heures d'affilée. Ils ont brisé Ricky Sandoval, et Sueño l'a exécuté.
mejor a Tañojo ya me habría suicidado, hijo puta. Kepasso, vous auriez des infos sur le cartel ou ses sicarios? Gracias, bonne chance. J'ai l'emplacement d'une station radio rebelle. On va la trouver et la remettre en état. Nomad, j'ai Pak Katari au bout du fil. Il a l'air d'avoir besoin de notre aide. Passe-le-moi. Hola, compadre. J'ai un problème à Itaqua. Bowman me dit que vous pourriez m'aider. Attendez. Recule avant de te faire repérer. Je t'entends haut et clair. Hola, compadre. J'ai un problème à Itaqua. Bowman me dit que vous pourriez m'aider. Mes hommes ont besoin d'aide. Beaucoup ont été tués par le cartel. Les autres sont terrifiés par les atrocités de Yuri et Polito. Le brasier de la révolution menace de s'éteindre. Épargne-moi ta rhétorique, Katari. Dis-moi ce que tu veux. Un convoi du cartel doit bientôt traverser la province. Sa capture redonnerait non seulement des vivres, mais aussi de l'espoir à mes hommes. C'est dans vos cordes? C'est carrément dans nos cordes. On est à la botte de Pak Katari maintenant? Il a besoin de ce convoi, ça mange pas de pain de lui filer. Plus il sera tributaire de nous, plus on pourra lui demander de l'aide en échange. Drone actif. Ennemi désigné. Par contre, il est à peu près des civils. Je rejoins la position.
Ok, j'y vais. Je suis prêt, quand tu veux. Commence à aligner ces fumiers. Quelle bande d'enculés. Le cartel est bon qu'à faire souffrir les gens. C'est bon, tout le monde va bien. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer la marchandise. Venez. Carnal, tout le monde parle encore de la vidéo. C'est bon, on y va. Le mois dernier. Si, si. C'est vrai que c'était carrément balèze. Accrocher ce type la tête en bas avant de le découper. Comment t'as pensé à ça? Merci pour le compliment, DJ Perico. En fait, je lis beaucoup. L'intellectuel français Georges Bataille a décrit en détail diverses techniques de torture. Et comme il le dit lui-même, il y a là-dedans une dimension particulièrement érotique. Et c'est justement cette dimension que j'essaye de développer pour nos téléspectateurs. Donc en gros, t'es pas bien dans ta tête. La tête, ah si mon frère. J'attaque l'ennemi. Qui est plus que la Santa Blanca. Mais chier, on a un sniper. T'es mal barré, planque-toi, grouille. Allez, on fait. Sniper à terre.
merde. Que quelqu'un l'aide. Je m'occupe de toi, tiens-moi. À qui la faute si je me suis fait démonter, hein? Y'a un sniper qui nous vise. Ok, donne-moi deux secondes et je suis là. Si tu pouvais éviter qu'on me tire dessus, ça m'arrangerait. Merde! C'est un sniper! À terre! Frag lancé. C'est bon ça, l'Unidad shoot le cartel. Nuestros civiles se enfrentan a nuestras unidades a unos cuantos kilómetros de aquí. Los refuerzos ya están en camino. Un sniper, à terre. La décharge. Faites mettre à l'abri. Allez. Grenade, attention. Coéquipier à terre. Coéquipier à terre. On a un blessé. Tiens, ça va aller. Un sniper. Coéquipier à terre. Trop visible. Là, le drone a décollé. Le porte-flingue du cartel. Le point de contrôle, par là. Quand tu veux, chef. Ennemi désigné. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Cabrón, y puta huevo. Ya ves que a uno se le da mejor repartir los manos que a nada.
feu à volonté. Ennemi abattu. RAS de ce côté. Mais fous-toi couvert. Merci. Je l'ai buté. C'est bon, ça va, vous tenez le coup? Ça va, tout va bien. Postez-vous là-bas. Bien sûr. Ennemi désigné, j'attends le feu vert. Frag lancé. Ah, oh, ils ont envie que ça saigne. C'est bon, hein? Je suis en route. Le matos qu'il y a dans le camion, évitez de le détruire. On est en train de se faire sniper. Détruisez pas le camion, il faut sa cargaison.
Ils nous ont vus. Tiens le coup, j'arrive tout de suite. Frag lancé, comme une merde à couler rose. Oh, j'ai bien morflé sur ce coup. Attachez vos ceintures. Hola, on peut y aller. Mas chingones. J'ai un nouveau message d'El Sueño à vous passer. Un truc balèze qui va vous filer des frissons. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? La jeunesse nous enseigne qu'il nous a créés à son image, à partir de poussière. Il nous a donné le libre arbitre. Ne sous-estimez pas ce don. Le libre arbitre est le droit de ne pas être d'accord avec Dieu. Le clergé corrompu vous dira que vous avez été créé pour servir Dieu. Mais pourquoi vous donner le moyen de lui désobéir s'il ne demande pas? Je pensais qu'on s'est barré. On les a énervés. Sniper, j'engage, j'engage. Ça va tout le monde? Putain, ce que j'aime mon boulot. Tout le monde est prêt? Feu! C'est bon, j'ai une solution de tir. Prends la bécane. A partir de la madre con todo, vamos a enseñarle a quien manda, dispare. Il se mette par ici, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nettoyez. Thank you.
Regroupement. Bien sûr. Je déploie le drone. En position, feu. Reçu. Il est mort. Je tire. Merde, ils ont trouvé un corps. Merci, tiens le coup, ça va aller. Quelqu'un l'aide. Joli tir. Allez, on fait le ménage et on avance. Je vais déguster demain matin. Quítenlo ya.
Si on file ces marchandises aux rebelles, on sera dans leur petit papier. Il est question d'un capitaine de l'Unidad qui refourgue des prisonniers à Yuri et à Polito pour interrogatoire. À tous les coups, il sait où sont nos tourtereaux. Le hic, c'est qu'il est dans une base de l'Unidad. Ven, hermano, mira. Ya, no me metas en nosotros. Se llama día sin su querer abrir esa puerta y Dios soy se lo la rebelión. Sáquenme. Hágalo correcto. Justo lo que buscaba para acabar con esos cerdos. Conduit. Allez, en route.